réfléchir. Je peux bien vous le dire, ça l'a commencé avec ça. C'est avec ça que tout l'a commencé avec ça. Ça l'a commencé avec la cuillère. Il y a très énormément jadis, l'homme a découvert la cuillère. Alors, il a regardé ça, il a dit, tiens, un joli miroir. Il a voulu se regarder, il a fait burk. Il a dit, j'ai passé l'âge de plaire. Il a voulu briser le miroir. Bien sûr, la cuillère, ça n'a pas brisé. Alors, il a dit, ça y est, c'est l'âge de fer. Et l'homme de fer était né. Il avait découvert l'âge de fer. L'homme de fer était né, l'homme qui brasse des affaires. Il s'est mis à brasser des affaires. Une affaire, d'abord une petite affaire, ensuite une autre affaire, ensuite de plus en plus d'affaires. Il brassait ses affaires. Et plus il brassait, plus il s'entremêlait de ses affaires. Même qu'à un moment donné, il y avait tellement d'affaires, ça lui prenait une plus grosse cuillère, ça devenait louche. Bien sûr, ça c'est, il y a très énormément jadis, parce que maintenant on ne sait plus brasser. On brasse mou, on brasse n'importe comment, on brasse avec le dos de la cuillère. On y va n'importe comment, on pense à s'amuser. On se dilapide la rate, on désopile dessus. On fait n'importe quoi, et pendant ce temps-là, les affaires baissent, les affaires baissent, les affaires baissent. Et quand les affaires baissent, tout le monde se met à se plaindre. Ça va pas, ça va plus. Les affaires baissent, c'est la ruine. Ça va mal, c'est la crise économique. Et tout le monde s'énervouille. Là, ça me fait bien rigoler parce que je me dis, oui, ça, ils ont rien compris, ces gens-là qui s'énervouillent. Ils devraient être contents de la crise économique. C'est vrai, ça, tout le monde devrait être content. Moi, je dis bravo, la crise. Enfin, quelque chose d'économique.